Au centre sportif intercommunal de Célestat, les scolaires occupent la plupart du temps le terrain. Pourtant, le gymnase pourrait bientôt accueillir des délégations d'équipes internationales. En effet, après avoir obtenu en novembre dernier le label Terre de Jeux 2024, la ville de Célestat a été retenue comme centre de préparation en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le lieu, construit en 2010, répond aux besoins des équipes internationales de handball et volleyball. Quand elles viennent ici, elles recherchent un espace de jeu, une hauteur sous plafond, une dimension de vestiaire, des locaux qui permettent de répondre, on va dire, à ce qu'elles vont trouver quand elles iront sur des compétitions internationales. Et donc, elles vont retrouver un format d'équipement sportif qui répond à leur statut d'entraînement. L'organisation de Paris 2024 reconnaît qu'effectivement, Célestat est en capacité de l'accueillir. Donc, on a fait tout un dossier qui avait été fait en 2019 avec des capacités hôtelières, des conditions climatiques, un cadre de vie, des équipements sportifs qui répondent aux normes internationales. Un autre site a été retenu sous réserve de l'achèvement des travaux, le projet Charlemagne. La ville a investi 22 millions d'euros pour construire ce nouveau complexe sportif du côté du lycée Queberley avant 2024. Mais rien n'est joué, les deux centres sportifs de Célestat figureront dans un catalogue de 620 sites français, parmi lesquels les comités nationaux olympiques et paralympiques feront leur choix. Pour la municipalité, déjà labellisée ville la plus sportive de France en 2011, cette décision est l'aboutissement d'une politique sportive de plusieurs années. C'est une fierté pour la ville de Célestat, c'est une fierté pour ses habitants, c'est une fierté pour les nombreux licenciés et les sportifs, et aussi, surtout, je dis, pour les dirigeants des différents clubs qui, quelque part, eh bien, voient leur travail et leur engagement reconnus par des instances supérieures. Et j'ose espérer que nous verrons dans les 3 années à venir ou dans les 4 années à venir, on verra des clubs phares venir et puis qu'ils emporteront de Célestat un excellent souvenir. Ça permettra aussi de rayonner au-delà de la région, au-delà du pays, quoi. Et pour mettre en avant ce moment fort, le service sportif de la ville compte développer un esprit olympique autour de la venue des équipes, avec des animations organisées par les associations sportives et notamment une première journée Terre de Jeux 2024 prévue aux vacances de la Toussaint.